Le gérant de SARL peut être choisi ou non parmi les associés. Considéré comme majoritaire, minoritaire ou égalitaire en fonction de sa participation au capital de la SARL, il dirige seul ou avec des co-gérants. Le gérant majoritaire de SARL, celui qui détient plus de la moitié du capital social, est affilié à la sécurité sociale des indépendants. C'est un travailleur non salarié. Le gérant minoritaire ou égalitaire de SARL est appelé assimilé salarié. Il est affilié au régime général des salariés et à une fiche de paie. Sans rémunération, il ne paie pas de cotisations sociales. Sa rémunération est fixée par l'Assemblée générale ordinaire et il prend part au vote.